Dieu. Barkwena. Bénissons le roi des rois ce matin. Tant Pierre Alimdam Dimarunde Ibewa. En ce jour de la résurrection. Runda Sia Vourara. Qui est le premier jour donc de la semaine. Il y a semaine de Pipirare. Et nous avançons dans notre sous-thème croire, parler et pratiquer. Toute la vie chrétienne est dans ces trois verbes. Croire, confesser et pratiquer la parole de Dieu. La vie chrétienne n'est pas une religion pour nous amener à simplement faire des règles. Et c'est pourquoi ce matin, mon frère, nous allons tout juste voir encore, nous avons vu les dimanches passés, nous allons progresser. Ce matin, Dieu a établi sa parole dans les cieux. Il te demande à toi, toi manifeste-la sur la terre. Il y a des choses que nous devons saisir profondément si nous voulons que nous puissions progresser. Il y a les bénédictions de Dieu que Dieu nous accorde parce que c'est lui-même qui a décidé d'accorder souverainement ses bénédictions aux uns aux autres. Mais ce n'est pas ça qui nous fera aller au ciel et le voir un jour. Il y a ce que je vous dis maintenant. Donc, croire, confesser et pratiquer la parole de Dieu. Quand Dieu décide de bénir quelqu'un, il le fait souverainement. Et la bénédiction n'est pas une récompense pour dire oui, tu me plais. Non, mon frère, ma soeur. Même les dons spirituels. Il y a ma vie. Ma vie, ma bébé. Que moi-même dit travailler à votre salut, ça veut dire quoi? Tu m'as mené avec tes tous voir ce que Dieu a fait. Confesser ce qu'il a fait. Et pratiquer ce qu'il a fait. Alors, quand nous regardons dans la Bible, et un de nos petits cantiques que nous aimons chanter, pour toujours au Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. C'est vrai. Ça se trouve dans le psaume 119, verset 89. Psaume 119, verset 89. Nous allons partir à partir de là et maintenant développer le message donc dominical. À toujours ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux ou dans d'autres versions est établie dans les cieux. À toujours ô Éternel, ta parole subsiste est établie dans les cieux. Et très souvent, nous nous accrochons à cela. Mais regardons au ciel ce que Dieu faisait avant de créer la terre. Si la parole de Dieu est établie dans les cieux, qu'est-ce que Dieu fait de cette parole? Est-ce que la parole est établie seulement pour lui faire plaisir? Non. La parole est Dieu et c'est avec ça que Dieu a tout fait. Écoutez-moi sérieusement. C'est par la parole que Dieu a tout fait. Dieu a cru. Il a confessé sa propre parole. Et il l'a pratiqué. C'est pourquoi nous voyons les cieux et la terre. Nous voyons même les anges. Allons dans le psaume 33 et au verset 6, nous allons commencer. La parole de Dieu est établie dans les cieux.
Tout le monde dit là-bas, oui, Seigneur, je sais, c'est fort. Mais Dieu dit, allons-y tout doucement, mon enfant. Quand j'étais seul, moi-même avec, j'étais seul dans les cieux. Voilà comment on travaillait. Il dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Ah. Dieu a cru sa propre parole et il a parlé et ensuite il a pratiqué. Et ce n'est pas fini. Dans les cieux, il y a une armée. L'armée des anges, des archanges et des séraphins. Sûrement, ils ont été faits par les mains de Dieu. Ils ont été faits par les bras de Dieu. Et eux aussi, toute l'armée est par le souffle de l'Éternel. Donc, par le souffle, c'est-à-dire la parole de vie, la parole esprit. Alors, mon frère, ma soeur, réfléchis et rentre en toi-même. Dieu n'a pu rien faire. Rien, absolument rien. Sans sa parole. Et il dit qu'il ne fera rien. Sans sa parole. Il te dit que, encore pour que tu comprennes, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et il ajoute encore dans Hébreux 1, verset 2 et 3, il dit là-bas, il soutient toutes choses par sa parole. Alors, Dieu te montre l'absolu de la parole. Ça, c'est la parole logos. Jean 1:1. C'est la parole logos. Dieu n'a rien fait sans sa parole. Il te dit, je ne peux rien faire sans ma parole. Je ne vais rien faire sans ma parole. Je ne veille pas sur mes besoins, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et maintenant, il va créer la terre. Il a créé aussi la terre par sa parole. C'est pourquoi tu vois, il dit, Dieu a dit que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas se séparent. Et la terre a apparu. Dieu a dit que le soleil apparaisse. Donc c'est par la parole que la terre aussi a été créée. C'est par la parole que l'homme même a été créé. Dieu dit, faisons l'homme. C'est quand il voulait maintenant lui donner une forme, une morphologie qu'il a utilisée pour la première fois, une chose matérielle, parce que les choses matières n'existaient pas chez Dieu, tout est esprit. Donc, c'est en ce moment seulement pour que les animaux, la création, puissent voir l'homme. Il a pris la poussière de la terre et il a formé le corps de l'homme dans lequel cet homme esprit-là vit maintenant. Et pour que cet homme esprit-là ait une personnalité, Dieu souffle en lui son souffle. La combinaison de ce souffle avec l'esprit de l'homme va donner à cet homme-là une personnalité qu'on appelle son âme. L'homme a trois éléments maintenant. Il est esprit créé à l'image de Dieu. Dieu est esprit, l'homme est esprit. Il a une âme dans sa personnalité. Et maintenant, il lui a donné un corps physique. Et Dieu s'intéresse pas à l'âme de l'homme, pas au corps de l'homme. C'est quand l'homme est tombé que Dieu a commencé à s'intéresser à l'âme de l'homme, parce que c'est l'âme qui pêche, celle qui mourra. Dieu étant esprit ne travaille pas avec l'âme de l'homme. Comme l'homme va tomber,
L'Esprit de Dieu est parti. L'homme va travailler avec son âme, il va avoir des relations avec son âme et son âme sera blessée. Alors quand il vient, il va ramener son esprit dans l'homme. Il va restaurer l'âme. L'âme n'est pas créée, n'est pas née de nouveau. L'âme est restaurée. Le mot avec l'âme, c'est toujours restauration de l'âme. Nettoyage de l'âme pour lui enlever les susceptibilités, les jalousies, les mesquineries et tout cela. Et voici mon frère, ma soeur. Ça, c'est après la chute. Mais quand Dieu a créé la terre, qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il voulait? Pour ne pas vous retenir longtemps. Son fils va nous enseigner, va nous parler de cela dans un passage. Peut-être on va lire pour terminer. Le psaume 33 là, pour le terminer. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Et verset 9 maintenant. Pourquoi? Car lorsqu'il dit, et la chose arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Écoutez, non, ça c'est Dieu. Il ne faut pas vous écrire. Ça ne vous regarde pas. Ça c'est Dieu. Vous avez aussi votre part à faire. Parce que nous nous écrions pour des choses pour lesquelles on ne doit pas s'écrire. Ça c'est ce que Dieu fait. Il ne s'arrête pas là. Quand il était seul, il faisait ça. Maintenant, il a créé des hommes sur la terre. Ce n'est pas Dieu qui va rester au ciel commander la terre. Il a mis ses représentants sur la terre. Il a mis ses enfants sur la terre. Tel père, tel fils. Maintenant, quand son fils est venu, on va sauter les Abraham autres là parce qu'ils n'étaient pas des gens parfaits. On va aller au fils parfait qui vient du Père, qui vient du Père lui-même. Quand le fils parfait est arrivé et que les disciples ont dit au fils parfait, nous voulons que tu nous enseignes à prier. Ah, il dit, ah bon, vous voulez prier? Ah, il y a un même posé. Dans la prière, là, il y a plusieurs parties. Il dit d'abord, il y a la glorification, l'adoration de Dieu, que son nom soit sanctifié. Et que son règne vienne. Que sa volonté, c'est-à-dire sa parole qui est établie au ciel qu'on appelle volonté, la terre a été créée pour que cette volonté à travers la parole soit répliquée textuellement sur la terre. C'était le but de mon père, que ce qui est fait dans le ciel soit réalisé sur la terre. Au ciel, quand mon père dit quelque chose, cela arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Il dit, j'ai créé une famille terrestre dont leur caractéristique est, quand ils vont croire ma parole, quand ils vont la confesser, de même que le Père dit, ça arrive. Alors, de même que le Père ordonne, ça se passe. Il dit, si vous ne croyez pas, allons dans Marc 1, verset 23, il te dit là-bas. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, si la personne croit la parole, et s'il dit, et quoi que ce qu'il dit arrive, s'il ne doute pas. Le Père a dit, ça arrive. Là, vous avez tout le monde crie Alléluia. Le Père se tourne vers vous. Si vous dites, ça arrive, là, vous taisez. Vous voulez acclamer le Père, pourquoi? Il vous donne la responsabilité à vous. Ça, c'est une chose que tu dois sauter. Quand moi aussi je dis, la chose arrive, Alléluia, je glorifie Dieu. Laissez le Père tranquille. Il a dit,
habillé la main. Et les choses sont arrivées. La bombe fin wam. Il t'a placé sur la terre. Ablou le faute ngang zu. Que toi aussi tu dises. Tu faut manier. Les choses que tu veux là. Yeni faut data. Lui il voulait la terre. Bam dala ta tengong. Il a créé le monde. Abna le tunier. Il voulait l'homme. Brata nisal. Il a créé le monde. Abna le l'homme par sa parole. Abna le nisal ne bonda. Tout ce qu'il voulait. Abna ta fa. Il l'a créé. Abna na me. Il se tourne vers toi. Tu viens te relever. Tu as été créé à mon image. Abna na faut même ngona mon. Toi tu as des ténèbres. Faut ta la liga. Tu ne parles pas tes ténèbres. Faut pas comme ni faut liga. Moi j'avais des ténèbres. Bam dala m liga. Les ténèbres contrôlaient ma création. J'ai parlé. Les ténèbres sont parties. La lumière est venue. Toi, tu es fait à mon image. Toi, tu as des ténèbres du péché, ténèbres de la pauvreté, ténèbres de la maladie, ténèbres de la stérilité, ténèbres de la défaite. Toi, tu n'es pas capable de parler à ces ténèbres. Tu veux que moi je vienne parler. Dis, moi je ne parle plus. J'ai fini de parler. J'ai mis dans ta bouche des paroles. Tu dois les dire. Tu ne crois pas l'incrédulité. C'est pourquoi? C'est pourquoi le péché vous domine. Dieu avait son problème, les ténèbres. Il avait quoi? Il a lutté. Il a prié. Il a parlé. Quand il a dit que la lumière soit, la lumière a dit non. La lumière n'a pas dit non. La lumière n'a pas dit non. Les ténèbres n'ont pas dit non aussi. Alors vous voyez, frère, il n'y a pas d'album pour le bras pas. Ouais. Les choses doivent pénétrer en vous. Vous me faites un certain pour rien. Les choses doivent pénétrer en vous. Vous me faites un certain qu'un pour rien. Si ce n'était pas possible. Hand up power to the pastor. Jésus est parti trop tôt, 3 ans et demi de ministère. Pourquoi il est parti? Si l'homme n'était pas capable de faire ce que Dieu fait, ni ça n'a pas tellement pour sa vie. Pourquoi Jésus est-il parti? Il serait resté. Et c'est fait exprès. Ouais. Il est venu 30 ans. Il n'a rien fait. Rien, rien. Fifi. Le père lui a dit, laisse les hommes là. Bel-ba-ne-ba. Parce qu'il croit qu'il faut un homme bizarre pour faire les choses. Travaille comme eux aussi, travaillent. Il faut manger comme eux aussi mangent. Il faut qu'il voit ton humanité totale, complète. Il faut qu'il voit ton humanité. Et ils l'ont vu pendant 30 ans. Ils ont vu l'humanité de Jésus. Il n'y a aucune manifestation de divinité dans Jésus pendant 30 ans. Sauf qu'il est fils de Dieu par la semence de Dieu. Écoutez-moi. Il devait, pour manger, il devait travailler comme charpentier. Comme toi et moi. Il avait les mêmes tentations comme toi et moi. C'est pourquoi on n'a pas d'excuses. 30 ans. Il a vécu comme un homme normal. Les tentations pleuvaient. Les tentations pleuvaient. Tu entends? Maintenant le Père dit, tu vas commencer ton ministère pour montrer Dieu et l'homme qui travaillent ensemble. Tu vas montrer aux hommes maintenant. Un homme normal. Quand il reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un homme normal là. Ils vont travailler ensemble. Ils vont atteindre des buts. Je ne veux pas que vous fassiez comme ça. Je veux dire amen. C'est votre bouche que je veux. Parlez. On est dans le temps de croire, parler. Vous entendez? 3 ans et demi ont suffi à Jésus. Pour montrer que quand Dieu vient dans un homme, par le Saint-Esprit, Jésus est la semence de Dieu, mais il s'est dépouillé de la puissance. Écoutez,
Si c'était autre chose, Dieu a failli. Si c'était autrement que Jésus a agi, nous demande à toi et à moi d'agir. Ça veut dire que Dieu est hypocrite, il est trompeur, il est menteur. Il ne dit pas la vérité. Vous entendez? Si Dieu me disait d'agir comme un ange, je veux dire à Dieu, je ne suis pas esprit, je ne peux pas agir comme un ange. Et là, j'ai raison. Mais Dieu m'envoie son fils dans une chair semblable à la mienne. Quand on le pince, il sent la douleur. Quand il a faim, il a réellement faim. Il est tenté, tenté comme toi. Il doit dormir. Il doit se reposer. Il doit travailler pour se nourrir. C'est pourquoi on l'appelle charpentier. C'est un métier. Charpentier, c'est un métier. Tout ça, c'est pour t'amener toi, toi et moi, à réaliser deux choses. L'homme sans le Saint-Esprit est limité. L'homme avec le Saint-Esprit est illimité. Non, mais je voudrais que vous compreniez. Il y a des révélations que je vous donne. Vous prenez la légère. Il n'y a aucun autre moyen. L'homme sans le Saint-Esprit, il reste homme limité. Il peut devenir directeur général. Il peut devenir général. Il peut devenir policier. Il peut faire ce qu'un homme peut faire. Il n'y a rien de divin là-dedans. Tout est humain. Il peut devenir président. C'est humain. Il peut devenir empereur. C'est humain. Il peut devenir chef de projet. C'est humain. Il n'y a rien de divin là-dedans. Et pourtant, c'est ça que vous cherchez. Vous croyez que si Dieu vous fait DG, c'est parce que vous êtes béni. Non. Tous les humains peuvent être comme ça. Ce sont les humains sans Dieu qui deviennent président. Ce sont les humains sans Dieu qui deviennent des grands généraux. Ce sont les humains sans Dieu qui deviennent des grands savants. Mais ils sont sans Dieu. La patate ouenwa. Bien comprendre la vie chrétienne. Alors, au bout de 3 ans et demi, il a cru son père. Toujours, il dit quoi? C'est ce que le père dit là. Je vous ai dit, vous m'avez dit de vous apprendre à prier. Qu'est-ce que je vous ai dit? Que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est ça, je suis le modèle. Regardez-moi. Ce que je vois au ciel, ce que j'entends au ciel, c'est ce que j'établis sur la terre. Je suis un établisseur de la parole de Dieu sur la terre, comme vous et moi. Nous avons été établis et créés pour établir la parole de Dieu sur la terre, parce que Dieu l'a établie dans les cieux. C'est pourquoi il dit que ta volonté, la volonté de Dieu est exprimée par la parole. Ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc le ciel et la terre sont étroitement liés. Alors c'est ça qu'il a dit dans le Notre Père dans Matthieu 6, 10. On ne va pas lire. Maintenant, comment cela va se faire? On va aller dans Matthieu 16, verset 19. Matthieu 16, verset 19. Nous allons regarder ce passage-là. Il va nous enseigner quelque chose. Matthieu 16, verset 19. Et il parle, Jésus parle, il est en train de nous montrer ce qu'il est en train de faire, ce que lui est en train de faire et comment nous allons le faire. Alors, quand il dit à Pierre, je te donnerai les clés, ça veut dire que lui-même, il a quoi? Il dit qu'il va donner des clés. Quand je dis, je vais te donner de l'argent, ça veut dire que j'ai?
C'est ce que j'ai là que je vais te donner. Et quand tu l'auras, tu vas ouvrir les portes que moi j'ai aussi. Tu vas fermer toutes les portes que moi aussi j'ai. Tu seras un ouvreur et un fermeur de portes devant les gens. Vous vous prenez pas au sérieux. C'est pourquoi vous allez au hasard, vous faites ce que vous voulez au hasard. Si vous prenez au sérieux, Dieu aura confiance en vous. Laissez tomber les choses que vous voulez. Ça. Il y a des choses que Dieu veut, que là où vous arrivez, tu vois, l'atmosphère change, les gens changent d'attitude. Quand vous n'êtes pas conscient de ça, vous allez vivre comme les... Il est dit que je vous ai établi, mais vous mourrez comme des simples hommes. C'est écrit dans les psaumes, non? Oui, non? Vous savez, c'est pourquoi? Moi, je vous ai établi pour régner, pour montrer au monde. Mais vous, vous mourrez comme des simples hommes. Pourquoi? Vous n'êtes pas conscient de qui est en vous. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu habite. Le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu qui est venu sur la terre. Donc, dans le royaume de Dieu, Dieu croit. Il parle, il pratique. Maintenant, il a transféré ça sur la terre. Sur la terre là, quand tu es né, tu es en train de manifester le royaume des cieux qui est venu sur la terre. Et pour cela, tu dois avoir des clés. On ne parle pas de christianisme. Tu dois avoir des clés. Amen le verset, mon frère. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et pour faire quoi? On dit deux points. Regarde maintenant le principe. Comment tu vas établir la parole de Dieu sur la terre? Comment tu vas la manifester sur notre message de ce matin? La fin du verset est impossible sans le début du verset. Il te dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les... Mais cela n'est pas possible si tu ne sais pas quelles sont les clés du royaume des cieux. Et les clés du royaume des cieux, c'est pas, Dieu ne va pas te les énumérer. Dès le moment où tu nais de nouveau, les clés sont ton partage par le Saint-Esprit. Les clés sont dans les mains de qui? Du Saint-Esprit. Et toi, tu dois faire quoi? Croire. Confesser et pratiquer. Chaque fois que tu fais ça, quand tu fais ça sur la terre, le ciel est dans la joie. Tout ce que tu auras lié sur la terre, les cieux font quoi? Les cieux crient. Il dit, un de mes enfants a lié une situation. Quand tu vas voir les situations là, si tu ne les lis pas et tu ne les délies pas, Dieu ne fera plus rien. Vous qui demandez à Dieu de faire, il va faire quoi? Demande, il va faire quoi? Quelqu'un vient te donner les clés d'une villa. Tu pars et reste devant la villa. Et tu lis le téléphone. Est-ce que tu peux venir m'aider? Il va venir. Il va venir. C'est ça, frère. Quand il te donne les clés, on va lui demander comment les clés fonctionnent. Et quand les clés, il faut croire d'abord que ce sont les bonnes clés. Et que tu lui dis merci pour les clés. Et tu vas pratiquer les clés. Et tu verras que toutes les portes s'ouvrent devant toi. Tu verras que tu peux les fermer devant toi aussi. C'est cela que le Seigneur nous dit. Frères et sœurs. Regardez. Ma parole est établie dans les cieux. Mais comme tu es mon enfant, je te dis à toi, toi qui es sur la terre,
Pierre n'était pas né de nouveau, c'est pour qu'il a utilisé le futur. Mais regarde le Pierre dans la chambre haute, il a eu les clés, mais est-ce que tu as vu les clés? Tu n'as pas vu leur manifestation? Je reprends encore. Vous n'avez pas saisi. Quand Jésus parlait ici, Jésus n'était pas mort. C'est pourquoi il a dit au futur, je te donnerai les clés du royaume. Est-ce que Jésus était mort? Quand Jésus est mort et ressuscité, il a dit d'attendre, d'aller attendre les clés là-où? D'aller attendre les clés où? Quand est-ce qu'il a répété les mots clés? Ils ont compris que pour fonctionner, ils doivent attendre quelqu'un. Quand ils sont allés et qu'ils ont attendu, quand le Saint-Esprit est venu, quand ils sont descendus, la première clé du salut, il n'a pas ouvert le paradis devant 3000 personnes. Hein? Il n'a pas ouvert la porte. 3000 personnes ne sont pas rentrées. Regarde au fur et à mesure. Regarde. Ils sont en train d'utiliser quoi maintenant? Les clés. C'était un problème. Quand Paul est venu, il a utilisé les clés. Philippe a utilisé les clés. Tout le monde a utilisé les clés. On arrive à toi. Toi, tu dis que tu ne sais pas comment utiliser les clés. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Quelque chose ne va pas. Il faut que tu sois honnête. Quelque chose ne va pas. Ont-ils reçu l'enseignement que je te donne là? Est-ce qu'ils ont reçu ça? Quelqu'un est parti leur dire qu'on utilise les clés? Ils ont cru. Ils ont parlé. Ils ont pratiqué. Et ils ont vu les résultats. Ils ont cru, ils ont confessé et ils ont pratiqué. Et il y avait les résultats devant eux. Le monde s'ouvrait devant eux. À tel point qu'à Lystre, à Thessalonique du moins ça, les gens ont dit de Paul et Silas, ceux qui ont bouleversé le monde sont là. Quand ils sont arrivés à Thessalonique, la population tremblait. Ils étaient différents des Thessaloniciens. Les Thessaloniciens ont vu une différence entre eux et Paul et Silas. Quand ils sont arrivés à Lystre, les gens de Lystre ont dit, voici des dieux sous forme humaine sont au milieu de nous. Quand ils sont arrivés à Antioche, les Antiochiens les ont vus, les ont regardés. Il dit, les petits Christ au milieu de nous, on les a appelés chrétiens. Quand on te voit, qu'est-ce qu'on dit de toi? Parce que tu ne crois pas, tu ne parles pas, tu ne pratiques pas, c'est pourquoi on se moque de toi. Dans le Nouveau Testament, aucune partie du monde s'est moquée d'un chrétien. Les gens tremblaient devant eux. Les gens avaient peur d'eux. Et la population, il dit dans Acte que la population s'éloignait, les admirait parce qu'ils avaient quelque chose qu'eux n'avaient pas. Parce que c'était des établisseurs de la parole de Dieu sur la terre. C'était des bouleverseurs du monde spirituel. C'était des gens qui transformaient les situations, les circonstances. C'était des gens, quand ils arrivaient quelque part, ils avaient la solution. Parce qu'ils avaient les clés du royaume. Ils liaient et déliaient. Quand ils lient, le ciel lit. Quand ils délient, le ciel délit. Pour la question, toi qui es là, pourquoi tu ne délies pas les choses? Pourquoi tu ne lis pas les choses? Pourquoi tes circonstances te dominent? Paul et Silas étaient assis dans une prison. On les a liés. Dit à Silas, c'est pas un problème. Dit jeune homme, c'est pas un problème ça. On n'a pas besoin. Pierre n'avait pas compris. Pierre avait besoin que l'église prie pour lui. Nous avons grandi plus que Pierre. On n'a pas besoin que l'église prie. L'église ne sait même pas que nous sommes en prison. Demain matin, nous serons exécutés. Paul et Pierre, du moins Silas. On va lier et délier. On va lier et délier. Et puis il a dit, mais c'est comment ça? Il dit, il y a plusieurs clés. Aujourd'hui, c'est la clé de la louange. C'est la clé de la louange. Quand ils ont commencé à louer, à minuit, à l'heure de minuit, il y a eu le miracle de minuit.
À l'heure de minuit, il y a le miracle de minuit. Quand ils ont loué, Papa Bon Dieu était tellement content. Il a seulement mis un pied sur la terre. Les murailles de la prison ont fait quoi? Les prisonniers ont été sauvés. Le régisseur de la prison a été sauvé. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que vous rentrez? Je vous pose la question. Vous avez été établi pour montrer aux gens ça. Ça. Pourquoi toi tu vas en ville, on ne te reconnaît pas? On te reconnaît comme directeur général. Ça, ce n'est pas une connaissance. On te reconnaît comme colonel major. Ça, ce n'est pas une connaissance. On te reconnaît comme directeur ceci ou cela. Ça, ce n'est pas une connaissance. Le monde spirituel n'a pas peur de vous. Le monde spirituel ne trempe pas devant vous. Le monde spirituel ne voit pas la puissance du Saint-Esprit. Le monde spirituel ne voit pas la gloire de Dieu. C'est ça le problème. La Bible dit, partout où ils allaient, relis Actes des apôtres. Partout où ils allaient, personne n'était insensible. Personne. Non, mon frère, ma soeur. Établisseur de la parole de Dieu sur la terre. Quel privilège. Tu es établi dans les cieux. Moi, j'établis sur la terre. Quand j'établis sur la terre, Papa Bon Dieu, alléluia. Alléluia. Les cieux bloqués. Mon fils a lié sur la terre, bloqué, lié sur la terre, au ciel. Mon fils a délié sur la terre, délié au ciel. Quel privilège. Toi, tu fais bouger le ciel. Tu fais bouger le ciel. Alléluia. Alléluia. Tout le temps, tu veux que le ciel vienne sur toi. Papa Bon Dieu attend que tu bouges le ciel. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié où? Tout ce que vous déliez sur la terre sera délié où? Mais si tu ne fais rien, le ciel ne fait rien. Tu attends que le ciel agisse. Le ciel dit non. Nous, on agit. C'est ton tour d'agir maintenant. Si vous pouvez comprendre un peu la parole de Dieu. Si vous pouvez saisir la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur. Alors c'est ça, ce clé-là. Lié et délié. Ça permet d'établir la parole de Dieu sur la terre. On ne parle pas des démons ici. Quand il a donné le grand principe, ce n'était pas les démons, c'était tout. Y compris les démons. Voilà. Y compris, c'est-à-dire, compris la... La stérilité est là-dedans. Le salut de ta famille est là-dedans. Le salut de ton mari est là-dedans. Donc tout est là-dedans. Si tu l'appliques dans n'importe quel domaine, ça marche. Ça marche. Je l'ai pratiqué, c'est pas il y a 20 ans, c'est pas. Je l'ai pratiqué depuis que je suis devenu chrétien. Mon frère. Mbabiga. C'est des choses que je reprends avec toi. Alors, pour cela, pour pouvoir lier, délier, établir la parole de Dieu, celle qui est au ciel, là, il faut que la parole de Dieu soit établie dans ton propre cœur. Parce que la Bible te dit que quand vous serez devant les tribunaux, on ne parle pas des juges de la terre. Non. Les tribunaux, c'est quoi? Les épreuves, les difficultés, tout. Il dit le Saint-Esprit vous donnera la parole. Mais quelle parole? La parole qui est ici. S'il n'y a rien, elle va donner quoi? Tu es là, tu ne mets pas la parole dans ton cœur. Tu veux me contester? On va lire Proverbe 4 avant de revenir. Proverbe 4, verset 20 à 23. Il faut que tu comprennes. Si tu n'établis pas la parole de Dieu dans ton cœur, quand tu as besoin pour parler, il n'y aura rien. Tu vas aller citer les proverbes du petit Larousse et tu vas croire que c'est des versets bibliques. Et toi, le ciel t'aidera. Ça n'est pas dans la Bible, c'est dans petit Larousse. Bien qu'il y ait le mot ciel là-dedans, ça n'a rien à voir avec la Bible. Regarde comment on établit la parole. Comment Dieu est parole. Toi, tu dois être parole. Jésus est devenu quoi? La parole incarnée. Oui ou non? Toi, tu dois être quoi? La parole incarnée aussi.
Tu as déjà vu Jésus se promener avec une Bible dans sa main? Tu as vu Jésus dire, bon, je vais citer Ésaïe, il était là. Et il parlait quoi? Il parlait ce qu'il était. Mais si toi tu es chose négative, tu vas parler quoi? De l'abondance du cœur, la bouche fait quoi? Ne me dites pas. Ne me dites pas, frère. Que non. Que toi tu as raison ici. Que c'est pourquoi tu parles comme ça. Tu parles comme ça. On te dit que c'est ce qui est en toi qui parle. Ne me dis pas autre chose. Ta bouche ne fait que dire ce qui est en toi. Regarde maintenant. Comment établir, comment remplir avant de la manifester? Je te dis ici, mon fils, sois attentif à mes paroles. Et prête l'oreille à mes discours. Le problème, toi tu prêtes trop d'oreilles à tes problèmes, à tes situations, à tes circonstances. On dit, sois attentif, que toute ton attention soit sur ma parole. Et quand moi je prêche maintenant, toi tu es en train de penser au macaroni que tu vas manger à midi. Tu es déconnecté avec moi, tu es en train de rêver. Elle est... On ne peut pas s'entendre. Mais pourquoi la maman dit à l'enfant, écoute-moi, prête attention. Parce que l'enfant est attiré, distrait par des choses. Dieu dit, si tu veux être un homme, une femme, qui établit la parole de Dieu, qui la manifeste sur la terre, premièrement, sois attentif à mes paroles. Tout ton attention. Deuxièmement, quand la parole de Dieu est donnée, prête l'oreille au discours de Dieu. Au moment où la parole de Dieu est donnée, toi tu prêtes l'oreille aux paroles de Satan. Tu sors, il n'y a rien. Satan est un voleur. Au moment où je parle, il entend de parler à chacun d'entre vous. Il parle à vous. Vous dites, Satan parle comment? Par tes pensées. Prête l'oreille à main, prête. Prêtez quelque chose. Si je prête ce. Ça. Bandit qui ont ping mam. Y'a maman soa. Si tu prêtes tes oreilles à la parole de Dieu, tu ne peux plus prêter ces mêmes oreilles à Satan. Ce sont ces petites choses-là que vous devez savoir. Si tu prêtes ta voiture à quelqu'un, au moment où tu as prêté là, la voiture là, tu peux plus l'utiliser. Elle est dans les mains de celui qui a emprunté la voiture. Tu ne peux pas prêter ta voiture à deux personnes à la fois. Impossible. Tu ne peux pas prêter ta voiture et avoir la voiture en même temps. Il y a des choses simples que vous devez comprendre. Ce sont ces choses simples-là. Prête l'oreille à mes discours. Troisième chose, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Ne laisse pas tes yeux regarder à gauche, à droite. Ne laisse pas tes yeux regarder à ton corps qui maigrit. Tu dis, ah, mon corps l'a maigri. Ma maladie là-haut. Il dit, tu as des yeux. Détourne-les. Détourne-les de ton corps, de tes circonstances, de tes situations. Détourne-les. Comment? Si tu regardes la parole, tu vas détourner tes yeux. Tu as la parole devant toi. Et ensuite, enfin, garde-les au fond de ton cœur. Et tu vas voir maintenant, le reste, attends d'abord. Alors, mon frère, ma soeur, est-ce ça que tu fais? Toi, tu lis un peu, deux ou trois versets. Tu filmes. Quand tu manges, là, tu manges deux ou trois grains de riz.
tu pas plus de temps à manger ta nourriture naturelle que à manger la parole de Dieu. Mais tu veux réussir comment? Tu m'as entendu parler de prière? Je ne parle pas de prière. La prière a sa place. On entend de la pratiquer les mardis soirs et les mercredis soirs. La prière, on la pratique si on comprend la parole de Dieu. Tu n'as pas gardé une parole dans ton cœur. Tes yeux ne sont pas sur la parole. Tes oreilles ne veulent pas la parole. Ton attention si n'a pas la parole. Tu te poses la question. Tu vas prier quoi? Dites-moi un peu. Que quelqu'un se lève et me dit comment tu vas prier. Tu vas prier quoi? Tu vas prier uniquement tes besoins. Tes pensées et tes désirs. Pour nous poser la question, faut taquer la force. Y amener au ratem bala. Ça c'est pas la prière. Y amène pas pour ça. Ça c'est la mendicité. Quand il y a bon son. Bah, tu n'as rien. Un mendiant n'a pas de pouvoir sur moi. Bon, c'est pas tant ton ma main à zigou. Le mendiant est obligé de venir s'arrêter donc devant ma maison ou devant ma voiture et tendre la main pour me demander de tout faire. Il a faim et si je veux, je donne. Bon ça y a tel endroit me dit non hein ou alors mobile Sierra tu m'as amené comment tu as parlé maintenant tu me mon enfant ne demande pas cela, il vient, il prend, il mange, il s'assoit tranquille. Ma bille pas bon hein motawata mbala andika certain fois qu'il y a caliben dit les font là ici. Quelle est la différence entre mon enfant et le mendiant? L'un appartient à ma maison, l'autre appartient pas à ma maison. C'est pourquoi il prie. Le mendiant me prie. Bon, pour ma. Mais il ne connaît pas ma volonté. Je ne lui ai jamais promis de donner l'argent. Il me prie. Mais mon enfant, l'ambiga. Pour manger, ta il ne veut pas le prier sa maman. Après, non. Aïe, aïe. Mais pourquoi vous conduisez comme des mendiants? On dit fils de Dieu. Il dit, vous êtes hérité et co-héritier avec Jésus. Co-héritier. Tu as déjà vu Jésus quand il avait besoin de donner des pains aux gens. Il a levé les yeux, il a rendu grâce au Père, il a dit partagez les pains. Ne confondez pas le ministère et la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est ta vie. Toi-même, des choses se passent dans ta vie. Là, calme tout le mandat, ni y a menga vivre. Faut vivre, y a bon man, faut menga vivre. Il y a des gens qui ont des grands dons, mais leur propre vie est dans la misère. Ne mettez pas qu'on cadre même ça. C'est-à-dire que, écoutez, le don est mécanique. Kounaya, à quoi t'as autre bala? Bon, tu vas à une réunion. Ok, la tisga. Le Saint-Esprit commence à faire des guérisons. Si on signe marre de blafant, c'est ça. Il dit, il le fait comme il le veut. Abiye te mande au mandaté. Mais sur la base de ça, la banque en jour. Maintenant, quand tu arrives à la maison, nous avons yili, tu as un problème familial. Faut tu ne sais pas comment opérer. Faut faut le don n'opère pas dans ta maison. Kune pas tout le don, c'est pour les autres. Kune ying ram denda. Mais toi, tu dois vivre des miracles et quotidiens. On vit dans les bureaux, on bombana. Tu n'as pas besoin d'attendre le don de prophétie. Papa, tu vois qu'on aurait ce gon fou. Sois le prophète de ta propre vie. Il est maintenant vuim nores. Parle sur ta vie. Si quelqu'un est capable de parler sur ta vie, tu as la même bouche que la personne. Tu as le même Saint-Esprit. Tu as la même parole. Il n'est pas supérieur à toi. Parle sur ta propre vie. Parle. Pourquoi vous attendez tout le temps que quelqu'un parle? Est-ce que sa bouche est plus sanctifiée que la vôtre? Est-ce qu'il a d'autres paroles? Ne laissez pas les gens vous tromper. Tu vois? Regarde le résultat maintenant. On va arriver au résultat. Quand tu fais ces trois choses-là, regarde le résultat. Car c'est la vie. Il y a vie. Pour ceux qui trouvent les paroles là, c'est la santé pour tout leur corps. Attendez, la santé. Vous entendez? Tu as besoin qu'on t'impose les mains. Voilà le moyen de vivre dans la santé. Voilà le moyen de vivre dans la victoire. Ça est là devant toi. Ça est là devant toi. Ça est là. Qui
Ceux qui ont trouvé la parole, qui ont prêté attention, qui ont prêté l'oreille, qui ont fixé leurs yeux, qui ont mis ça dans leur cœur, il dit, car c'est la vie. Ça a produit quoi? La vie. Quoi? Oui. Parce que la parole de Dieu est vivante. Quand tu la mets en toi, elle est une semence. Toute semence semée va sortir obligatoirement. Toute semence semée. C'est ça qu'on te dit ici. C'est la vie. Et la santé. Toi, tu laisses tout ça. Tu es en train de courir. Tu ne médites pas ces versets-là. Je te l'ai prêché plusieurs fois. Proverbe 4, 20, 23. Je te l'ai prêché. Si tu prends tout, chaque année je te prêche ça. Mais chaque année, tu sautes, tu es en train de courir. Tu vas courir jusqu'à ce que tu échoues et tu vas comprendre. Il dit ici là, c'est le moyen de vivre. Ça, c'est la vie supérieure. On dit que la guérison, c'est pour les petits-enfants. La santé, c'est pour les jeunes, jeunes gens et les pères. Qui font quoi? Parce que la parole de Dieu, c'est des comprimés. Dans la Bible, en anglais, dit c'est la médecine. C'est la médecine, c'est les comprimés. Comme le docteur te prescrit des comprimés. Et tu dois les avaler. Jusqu'au nombre de jours. La Bible te dit, ma parole, c'est des comprimés. C'est la médecine, c'est la santé. C'est la santé. Mais là, tu vas avoir qui pour prier pour toi tout le temps? Il n'y a personne qui est disponible de prier pour quelqu'un 24 sur 24. Personne. C'est pourquoi Dieu te donne toi-même. Mais c'est quand on te donne des comprimés, c'est pas le médecin qui met les comprimés dans ta bouche. C'est même pas ta femme. C'est toi qui dois avaler les comprimés. Quand on met la nourriture devant toi, c'est toi qui dois tendre la main, prendre et manger. Pourquoi ce christianisme bizarre maintenant qui est probable, comme s'il y a un homme qui a un pouvoir qui fait les choses, qui vous a dit ça? Quel est ce mensonge? Je ne suis pas cet homme-là et je ne veux pas en faire partie. Là, nous qui sommes ici, on a tout en commun. Le salut, on est sauvé par le même moyen. Le nom de Jésus, c'est le nom de famille. Ça t'appartient, ça m'appartient. Le sang de Jésus, c'est notre arme. Le Saint-Esprit, c'est notre héritage. Je ne sais pas, il y a quoi entre toi et moi? Tu as la foi, j'ai la foi. Je ne sais pas. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a rien. J'étais comme toi assis. Je suis comme toi assis. C'est parce que j'ai osé croire que Dieu un jour a dit, ah, tu vas me servir parce que je vois que tu crois. Il y a un tour, qui s'assied là. Je n'ai pas couru derrière quelqu'un pour que quand j'ai couru longtemps, sur mon passé, j'ai vu que ça ne marche pas, j'ai laissé tomber. Je suis venu à la parole de Dieu. Dieu m'a dit, ton pasteur est ton pasteur. Oui, il faut passer à pasteur. Il a les mêmes combats, il a les mêmes luttes. Il s'appuie sur la parole de Dieu. Établir. Alors, quand je fais ça, mes oreilles, mes yeux, mon attention, mon cœur, j'ai tout mis là-dedans. La vie est en moi. La santé est en moi. Tout est en moi. Je veux commencer à sortir. Comment? C'est ça, mon frère. Je veux commencer à sortir. Regarde Jean maintenant, Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Allons à Jean 15, verset 7. Oh, que le Saint-Esprit ouvre ton cœur ce matin. Que le Saint-Esprit ouvre ton cœur. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, regardez maintenant, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera. Cela vous sera accordé quand la parole est établie en. Vous voyez le mot demeurer?
Quand la parole est établie en moi, je demande ce que je veux. Parce que ma demande ne sera pas opposée à la volonté du Père. Non. Non. Demandez ce que vous voudrez. Vous voyez comment Dieu s'ouvre maintenant. Regardez. Ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Parce que tu vois, ce que tu veux là est aligné sur la parole de Dieu. Puisque ton cœur remplit la parole. Tu ne peux pas demander des choses qui contredisent la parole. Il n'y a rien de... C'est pourquoi je vous parle de prière et vous ne comprenez pas. Regardez, regardez où vous arrivez. Je ne demande pas des choses à Dieu. Non. Aïe, aïe. Je cherche à remplir, à remplir, à remplir. Mambod nam pitsam sou, nam pitsam sou, nam nam guama. Passer 2 heures de temps à manger, à bavarder inutilement. 2 heures de temps, 3 heures de temps devant la télévision. Et vous vous offrez à votre homme intérieur des sandwichs maigres. Ça, c'est une honte. 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 2 heures pour nourrir votre corps. Et ce que vous mangez, 90% ça va aller dans le WC. 3 heures, vous empoisonnez à la télévision. Aucune bonne nouvelle. Aucune bonne nouvelle. Et maintenant, vous offrez à votre homme intérieur, au Dieu qui est en vous, vous offrez quelques sandwichs, quelques marabatigas. Et vous voulez vaincre. Il faut que vous soyez insensé. Si toi tu es boxeur, on dit tu vas aller au championnat du monde. Pendant un mois, tu ne manques que des marabatigas. Tu ne manques que quelque chose. Quand tu vas aller au premier round, on va te mettre KO. Faut gagner un sobre. Non, je vous parle. Il faut que vous vous secouez. Arrêtez, frère. Arrêtez. Vous ne pouvez pas vous justifier. Pas devant moi, à plus forte raison devant Dieu. Bavarda inutile. Ce que vous dites à votre ami là, tout est négatif. Vous devez critiquer. Donc vous devez créer une atmosphère contre la parole. Et vous voulez prier. Dieu dit mon ami, mon enfant, tu viens de créer autour de toi une atmosphère que moi, je ne peux pas opérer là-dedans. Je ne peux pas opérer. Vous croyez que vous pouvez causer chez votre ami, critiquer tout le monde, et vous croyez que de là-bas, vous pouvez commencer à courir, aller prier. Le même Dieu qui était avec vous là-bas, et le même Dieu qui est ici. Il y a un Dieu qui est posé dans la pause. Vous nourrissez votre homme intérieur. On dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le pain c'est le corps. Mais il vivra. Il fonctionnera. Il va opérer. Il va réussir. Il va vaincre. Par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et toi tu ne manges pas cette parole. Quelle que soit la sagesse du médecin, les comprimés qu'il t'a prescrit, le régime là, si tu ne le fais pas, il ne peut rien pour toi. Il a établi ta maladie et te dit maintenant, il te donne la, le moyen de te guérir toi-même. S'il te dit d'avaler 6 comprimés par jour, tu décides que toi tu n'aimes pas avaler les comprimés. Tu avales un comprimé, sois sûr, ta maladie se prolongera ou bien tu vas mourir. Ça c'est naturellement. Ah, c'est ça. Naturellement. Il faut que vous réveillez. Il faut que vous réveillez. Tant que tu ne fais pas ça là, ben, tu ne vas
Tu vas aller dire au docteur. Docteur. Ma maladie est revenue. Docteur Fombédé. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Tout docteur est limité au moment où il prescrit un médicament, tu n'avales pas, il ne peut plus rien faire. Donc, le docteur n'a pas la vie. Donc il te communique la vie par là, les comprimés ou les piqûres. Si tu refuses donc, ça, il ne peut rien. Docteur, tu es fait à Tima, tu es fait à Tima, tu es fait à Tima, tu es fait à Tima. Tous les appareils que les docteurs ont là, c'est tout juste pour. C'est pas des appareils puissants, les quoi, IRM, quoi, scanner. C'est pour faire quoi? C'est pour découvrir ta maladie. Il y a un banque. Tu as dit que le scanner guérit quelqu'un? Il faut un scanner, mais un état malade, scanner balade. Le docteur est limité, Dieu aussi est limité. Docteur, Dieu est limité par qui? Par toi. Quand il te prescrit son médicament, avale ça. Avale ça. Avale ça. Tu dis non. Tu dis ok. Moi, je suis un médecin. Je ne peux rien faire sans ma parole. Parce que la parole, c'est l'épée du Saint-Esprit. C'est le médicament du Saint-Esprit. C'est le comprimé du Saint-Esprit. C'est là. Tout. Il y a faim. Et commencez à vous prendre au sérieux. Commencez à vous prendre au sérieux. Ça ne vous servira à rien. Ce que vous êtes en train de faire, ce qu'on vous dit là, ça ne vous servira à rien. Rien, absolument rien. Les gens peuvent quitter ici, aller faire des cellules, aller se proclamer prophétesse. Laissez-les se proclamer prophétesse. Des gens qui n'arrivent même pas à tenir leur vie, ils se proclament prophétesse. Pour faire quoi? Regarde sa vie. Dans la médecine, il faut un médecin. On les découvre tout le temps. Il ressemble à un médecin. Il a un faux diplôme. Quand on regarde le diplôme là, on dirait que c'est authentique. Mais quand il va poser des axes, tu sais qu'il ne connaît pas le corps. Pas le médecin a étudié le corps. Comme il n'a jamais étudié le corps là, c'est là-bas qu'on va le prendre. On l'appelle. On lui parle du corps. Il ne peut rien dire. Même si on lui parle du système immunitaire, quel est le rôle de la moelle des os? Quel est le rôle de la moelle des os? Comment dire, la moelle des os, c'est comme la moelle d'un poulet. Quand on a fini, on mange. Il faut fort, comment? Il ne voit pas la relation entre la moelle des os et les globules et le système immunitaire. Il ne voit pas ça. Il n'a jamais étudié ça. Évitez d'aller vous donner à des gens qui font des fausses opérations. Il ressemble à des prophètes. Il ressemble à des pasteurs. Ils n'en sont pas. Pourquoi il y a des faux billets? Il y a des faux billets parce qu'il y a des vrais billets. Faux billets, mais pas les vrais billets, bébé. Le faux billet va circuler pendant un temps, mais on va le découvrir. Il y a des machines, quand on met, on dirait que c'est un faux billet. Attachez-vous à la parole. Marchez dans la parole. Mangez la parole. Vivez la parole. Habillez-vous de la parole. Lavez-vous dans la parole. Et le Saint-Esprit va agir. Le Saint-Esprit va agir. Il va travailler. Il ne peut pas travailler sans la parole. Tu vois mon frère? C'est pourquoi il dit dans Jean 8, on ne veut pas le lire. Aux disciples, aux juifs qui ont cru en lui. Il dit, mais si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez, vous serez mes disciples. Et il voulait sauter direct. Comme ils sont juifs là, ils ont dit non. Jésus. Jésus. Tout, personne ne veut de toi ici. Nous, on décide de croire en toi. Jésus dit ça, c'est la première étape. Première étape. Il dit deuxième étape. Écoutez-moi. Pour être, vous êtes des croyants. Pour être disciple maintenant, deuxième étape. Vous devez demeurer dans ma parole. Ah. Ils ont dit, nous, on a cru en toi. Les gens disent que tu es faux prophète. Au lieu de nous amener directement en haut, dit, non. Vous n'êtes que des croyants. Ils ont cru. Deux
demeurez maintenant dans la parole. Quand vous allez demeurer dans la parole, troisième étape, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité que vous connaîtrez là va avoir un résultat. Elle va vous affranchir de n'importe quelle situation que vous avez. Écoutez-moi, qu'est-ce que Jésus dit ici? Il dit, quand tu crois en lui, première chose, c'est pas suffisant. Il faut demeurer dans sa parole. Demeurer dans sa parole. Quand tu demeures dans la parole, le Saint-Esprit vous conseille à révéler la vérité. La vérité de ta situation. Ah? Quelle situation? Celle que tu vis là. Et quand tu vas la voir, quand tu vas la connaître, maintenant, cette vérité expérimentée là va te rendre libre. Si c'est la maladie, tu seras libéré. Quel soit le problème, premièrement, tu dois croire. Deuxièmement, demeurer. Troisièmement, connaître la vérité. Et maintenant, les trois combinés, ça donne la libération. Beaucoup de gens ne veulent pas ça. Psaume 45, verset 2. Psaume 45, verset 2. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce passage-là? Psaume 45, verset 2. Sinon pas, tu es le plus beau des filles de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Alléluia. 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 Il dit, si la parole demeure en toi, ça va commencer à chercher tes lèvres maintenant. Parce que la vérité qui est en toi là, ton cœur va commencer à brûler. Et tes lèvres veulent la manifester. Et c'est pourquoi dans Jean 7:38, il dit quoi? Quand la parole demeure en toi, quand le Saint-Esprit vient, la parole du Saint-Esprit, les fleuves d'eau vive vont couler de ton sein. Vont couler. Pas pour toi. Quand une rivière coule, c'est pour elle-même. Hein? La rivière coule à l'avantage de qui? Partout où la rivière passe, ce sont eux qui ont l'avantage de la rivière, oui ou non? C'est pourquoi les gens viennent faire des champs autour des rizières. Les gens viennent faire du maraîchage. C'est ça le rôle là, des fleuves d'eau qui coulent. Les fleuves d'eau ne peuvent pas couler de toi, aller résoudre les problèmes de tes frères, tes sœurs, si la parole n'est pas établie dans toi. Tu connais pas mon mari là, j'ai pas besoin de connaître ton mari. Si des fleuves d'amour sortent de toi, non, ton mari va boire l'eau là. Personne ne va refuser les fleuves d'amour. Ah, je connais pas ton mari, j'ai pas besoin de le connaître. Si toi, tu ne fais que sortir de l'amertume de toi, ton mari ne changera pas. Personne n'aime boire l'amertume. Personne. Personne. Tu n'as pas établi la parole. C'est quand la parole est établie. Avec le Saint-Esprit, ça va agir. La parole n'est pas établie en toi. La parole n'étant pas établie, elle ne se manifeste pas. Non. Elle ne se manifeste pas. Non. La parole d'amour n'est pas établie. La parole de sainteté n'est pas établie. La parole de grâce n'est pas établie. La parole de foi n'est pas établie. Ce qui n'est pas établi, tu ne peux pas la manifester. Tu vas la manifester comment? Elle n'est pas établie. Tu vas la manifester comment? C'est important, frère. C'est important. La parole de Dieu, quand elle est établie, ça devient des fleuves. Ça commence à sortir. Vous savez, frère,
C'est important que vous compreniez. Ne soyez pas léger, artificiel. Ça ne sert à rien. Il y a des pasteurs qui aiment. Oui, ils aiment cajoler des gens comme ça. Moi, je ne veux pas te cajoler. Je ne veux pas que ton sang retombe sur moi. Jamais. Dieu dit dans l'église, si je dis aux méchants, de dire aux méchants, méchants, quel méchant? Pas de dehors, les méchants de l'église. Va lire dans Jérémie, dans Ézéchiel. Jérémie, Ézéchiel pour faire bébé. Il y a les méchants dehors, il y a les méchants. Les filles de l'homme, j'étais établi pour être sentinelle. Pour parler à la maison de l'Éternel. Pour parler à la maison de l'Éternel. Pour parler aux enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur. Alors, c'est ça. Je ne suis pas un pasteur pour parler. J'avertis les gens. J'avertis les gens. Oh, mon ami, mon frère, la parole de foi que tu as établie maintenant en toi, tu vas commencer à la parler. Dans Romains, il dit que cette parole n'est pas loin de toi. Elle est dans ta bouche, dans ton cœur. Mais si elle est dans ton cœur, tu ne peux pas dire. Tu vas dire quoi? Il n'y a rien dans ton cœur. Voici un enfant qui va au certificat d'études. Il va, on dit récitation. Il est, on l'appelle, on dit bon, voilà. Un tel, tu viens maintenant. Il vient devant le correcteur, mais quoi, c'est ça, l'instituteur. Voilà. On dit bon, va te préparer. Tu vas réciter telle fable de la fontaine. Il a beau aller s'asseoir, se préparer là-bas. Pendant toute l'année, il n'a jamais mis une récitation en lui. Ça va sortir maintenant. Au tribunal, ça va sortir. Il est au tribunal de quoi? L'examen du CEP. C'est ça qu'on vous dit là. Il est au tribunal de l'examen du CEP. Il n'a pas appris un riche laboureur son arabe. Il n'a pas appris ça. Le laboureur de ses enfants, pas comme ça. On dit. Il va venir s'arrêter. Allez, on y a le sommet. Le maître dit, mais il faut parler. Mais ça peut sortir. Tu es un là. Est-ce que la récitation est en lui? La récitation est bien pour là. La parole n'est pas en toi. Gomme, pas devant pour Satan, ça va sortir. Satan, t'as un yim. Devant les épreuves, ça va sortir. Comme y a la t'as un yim là. Ce que je vous dis là, est-ce vrai ou c'est faux? Mamie, t'as bien Siri, bien Siri. Ça va sortir. N'a yim. Ça n'a pas sorti. Il n'y a rien en toi. Et il faut comprendre. Je ne suis pas fâché. Non, je ne comprends pas pourquoi vous ne prenez pas au sérieux Dieu. C'est ça. C'est ça. Je connais Dieu, je sais qu'il ne joue pas. Non. Je le connais. Si tu le connais, moi je le connais. Il ne joue pas ni avec moi, ni avec toi. Il n'a pas joué avec Adam. Il n'a pas joué avec Moïse. Son ami personnel. Il a enterré Dathan, Coré, Abiram. Il a frappé Marie à cause de Moïse. Et quand il a dit à Moïse, il a parlé. Il va parler. Il a frappé. Il dit non, non, notre amitié s'arrête. Il dit tu montes, tu meurs. La parole, Gomna, elle doit être établie. C'est la même et quand elle est établie, la halugli, elle est parlée, la foi. Gomna, elle est table, rien qui se demande. La foi. La foi, mon frère. Elle commence à parler. Elle commence à parler. Elle commence à parler. Elle commence à parler. Pas des paroles négatives. Pas Gomyor, mais quoi? Job. A établi dans son cœur. Lugla sura pourra. Quoi? Boy. La peur. La bima. Il a établi dans son cœur quoi? La peur. La bima. Quand les situations sont arrivées, qu'est-ce que Job a dit? C'est ce qui était en lui, non? Qu'est-ce qu'il a dit? Ce que Dieu. C'est ce qui m'arrive. Vous pouvez voir des hommes de Dieu dire ah, il est bien. Non, il est bien. Non. Qu'est-ce qu'il a établi? Demande-lui qu'est-ce qu'il y a ici. Sa bouche va te révéler ça. Devant les épreuves, regarde les chrétiens. Écoute-les.
Écoute-les devant les épreuves. Tu serais étonné. Tu vas voir ce qui était caché en eux. Ma soeur, c'est ça? Mais il y a quoi, pasteur? Ah, tu dois dire la vérité, non? Quand même, on doit dire la vérité. La vérité a franchi. Mais ta vérité ne t'a franchi pas. Quelle vérité? Ce que je craignais, c'est ce qui m'arrive. Job, tu as établi quoi? Parole de peur. Job, tu as établi quoi? Tu as établi quoi en toi? C'est ce qui sort. Job le saint. Mais son cœur était rempli de peur. Votre cœur est rempli de quoi? Rempli de quoi? C'est ce qui va sortir. Mon frère. C'est ce qui va sortir. C'est ça. Il n'y a pas autrement. Le cœur et la bouche, il ne peut pas mentir. La bouche refuse d'être hypocrite. Il dit, mais je vais dire ce que tu as cru longtemps. Je vais dire. Non, après, je vais dire ça. Et la bouche va dire. Non, après, je dis, ah, comment j'ai pu parler? Non, il n'y a rien d'étonnant. C'est dans ton cœur. Tu as vu une bouteille de bière, on peut sortir coca. On peut sortir coca d'une bouteille de bière. Ok. Il y a des choses où vous voulez faire semblant. Parce que vous croyez qu'il y a une garantie du salut. Nous sommes sauvés en espérance. En même temps, garantie et espérance. C'est-à-dire quand tu es sauvé, tu as cru en Jésus là. Tu es là, sauvé pour l'éternité. Faut mais en même temps, c'est temps. Hein? Jusqu'à ce que tu termines ta vie sur la terre. En ce moment-là, Dieu dit, ton salut est complet. Il est accompli maintenant. Ah, vous croyez que parce que j'ai cru, je suis né de nouveau. Maintenant, je fais ce que je veux. Si la mort te surprend là-bas. Ok. Ok. Tu sauras ce que c'est. Alors, regarde mon frère, ma soeur. C'est important que tu comprennes. L'abondant du cœur. C'est pourquoi Israël. Dieu dit, ah bon? Et dit Moïse. Moïse. C'est comme ça tes gars-là. Tu ne les as pas enseignés, non? Moïse dit, je les ai enseignés. Mais Dieu ne me pourrait pas comme ça. Dis-leur qu'il leur sera fait. Comme ce qu'ils disent là. C'est pas moi, hein. C'est eux qui ont dit qu'ils vont mourir au désert. Mais comme leurs enfants n'ont pas dit, ils ont dit qu'ils vont mourir avec leurs enfants. Mais les enfants n'ont pas mouru. Les enfants n'ont rien dit. C'est eux qui ont dit qu'ils vont se faire la séparation. Les parents vont mourir 40 ans. Parce qu'ils sont tellement en bonne santé qu'il leur faut 40 ans pour que tous meurent. Quand ils ont mangé Exode 12, ils ont mangé la chair de l'agneau. Quand ils ont mangé leur Pâque, Dieu leur a donné un corps où la maladie ne peut pas pénétrer. Lis dans la Bible, personne n'avait de maux de tête. Personne n'avait aucune maladie. La seule fois qu'il y a eu des morts, c'est quand ils ont murmuré contre Dieu, les serpents derrière et les serpents sont venus. Donc, il a dit que leur corps n'était jamais usé. Même leurs vêtements, même tellement ce qu'ils ont fait en Israël, là, ça a touché même les vêtements et les chaussures. Si tu comprends ça, tu peux manquer. Mais maintenant, quand ils ont dit qu'ils vont mourir, là, comme Adam, Dieu a dit, Adam, tu meurs. Il lui a fallu 963 ans pour qu'il meure. Et ils ont dit, on va mourir. Dieu a dit, ok, vous allez mourir. Mais comme les gens, en mangeant la Pâque, le corps là était rempli de vie. Il a fallu 40 ans. 40 ans pour que le dernier meure. Et ils ne sont pas morts de maladie. Hein. Ils sont morts naturellement. Aucun. Tous ceux qui sont morts au désert là, ce n'est pas la maladie qui les a tués. Ils sont morts un à un comme ça. C'est la parole. Quand la parole est là, elle met au dehors les maladies. La maladie vient, elle va mettre au dehors. Et tu vas accomplir tes jours.
Tu n'as pas besoin du 1er janvier que les gens te souhaitent bonne année, longue vie. Tu peux me donner longue vie. Connaît, c'est moi-même qui fais ma longue vie. Il dit ta bouche là, fais ta longue vie. C'est qui dans 1 Pierre, non? Tu veux vivre heureux et longtemps. Éloigne-toi ta bouche de quoi? C'est toi qui fais. Dieu n'a pas dit que toi tu es né, tu vas mourir à 40 ans. Dieu n'a pas dit ça. Non. Tu dis, je vais te rassasier. Mais qui coupe ta vie? Ta propre bouche coupe ta vie. Non, fais attention à ça. Mon frère, ma soeur. Dans les périodes d'examen. Examen ou akato. Sûrement, la semaine prochaine, ils auront, tu réussiras, mais on va prier aussi ici pour les enfants. Dans la période des examens, quand tu écoutes les enfants, ils parlent négatif et ils vont échouer. Dans la période des examens, quand les enfants n'ont pas étudié, tu vois, ils se maudissent eux-mêmes et les mamans les laissent faire. Maman, on n'a pas fini, le programme. Ça veut dire que je vais échouer. Sache que je vais échouer parce qu'on n'a pas fini le programme. Faut pas t'inquiéter. C'est pas ça. Maman, ne t'inquiète pas. Hein. On n'a pas fini le programme. Non, là-bas, ils ont fini. Nous, on n'a pas fini. Même ceux qui ont fini là, il n'y a pas de gens qui vont échouer, non. Quand l'examen arrive, mets dans la bouche ton enfant, mets dans son imagination, il étudie chaque jour l'enfant là, pour ta main, la sagesse de Dieu, c'est toi. La connaissance, toute peur, quitte le cœur de mon enfant. Ils ont peur. Les mamans aussi, comme elles sont négatives, elles vont ajouter à la peur. Tu vas échouer, hein? Tu vois, ce que je vois là, tu vois, ah bon, maman, tu es en train de maudire ton enfant, il va voir son nom sur la liste. Les examens, il y a trou de mémoire. J'ai vu des camarades, on est rentrés, ils ont commencé à écrire, trou de mémoire, le gars s'est arrêté. Examen d'abord, il a tout oublié. Trou de mémoire. La peur crée des troubles. La bima, quel niais c'est vous n'avez pas pour tenir face. Rempli leur cœur. Tout le temps, même avant d'être chrétien, je me couchais, je me voyais, il dit, je ferme mes yeux, je vois mon nom sur la liste des armées. C'est comme ça que je faisais. Je me couchais, je vois mon nom, je ferme mes yeux, je me vois, instant on affichait, je me vois, aller voir mon nom au centre d'études, aller voir mon nom au BPC, aller voir mon nom au baccalauréat, je me vois en train de m'approcher du tableau là, d'affichage, je vois que je mets ma main sur mon nom. Ça avant d'être converti. Et je vais réussir. Je ne connais pas Dieu. Mais ça est en moi. Et c'est comme ça que j'ai passé les examens. Et les gens qui étaient brillants ne passaient pas. Parce qu'ils avaient peur. La peur le paralysait. Et puis ils parlaient négativement. Ah oui, les maîtres cette année-là. On ne comprend plus les maîtres. Hein. Toi, tu vas maudire la personne qui enseigne ton enfant. Tu vois, tu maudis le maître de ton enfant. Ah, les pensées, parler la parole. Abraham a parlé la parole. Dieu dit, mon gars, ça en est assez, ça fait 24 ans. 24 ans, on est ensemble. Hey, tu vas changer maintenant. 24 ans. Moi, il me faut 24 ans pour donner un enfant à quelqu'un. Moi, Dieu, il me faut 24 ans pour donner un enfant à quelqu'un. Et tu m'as rendu incapable. Tu sais pas que je m'appelle El Shaddai? Et Dieu suffisant? Il te faut 24 ans pour avoir un enfant. Quand j'ai créé Adam là, il m'a fallu combien d'heures? Quand j'ai enlevé Ève d'elle là, il m'a fallu combien d'heures? Et moi je parle, ma parole est établie dans les cieux, que tu es père des nations. Je te dis à toi, commence à le manifester. Il te faut 24 ans.
24 ans. Et il dit, bon, ça suffit maintenant. Abraham. Marche devant ma foi et sois intègre. C'est pourquoi je vous dis ce matin, marchez devant Dieu et soyez intègre. Vous forcez là maintenant. Marchez devant Dieu et soyez intègre. Faut arrêter. Marchez devant Dieu et soyez intègre. Il dit, ah bon? Tu vas le faire. Ton nom nouveau est là. Le nom nouveau de ta femme est là. Faut you parle avec un pari, you parle bébé. Un. Yeah. Circoncision, alliance avec toi. Tu comprends bien qui est dans mon nous avons eu tout ça. Ton parle. Circoncision du cœur, nouvelle naissance. Nouveau nom, nous avons eu. You parle pas bien. Nous sommes la nouvelle création. Ton n'a pas parlé. Nous sommes les justifiés de Dieu. Ton y a un n'importe quoi. Abraham dit, ah bon? Abraham dit, autre là. Il dit, ah, c'est comme ça. Y a autre là. Il dit, bon, c'est pas fini, hein. Pas ça même quoi. Ta bouche là. Faut non ouais. Au lieu de dire. Tu y es. Que dis à ta femme Sarah. Y est le parent Sarah. Arrête de dire qu'elle est stérile. Tant qu'il y a problème, que moi je l'ai rendu stérile. Toi et ta femme, ne regardez plus vos corps. Ne regardez plus ça. Parlez. Dites quoi? On doit dire quoi? Que Dieu donne la vie aux morts. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Parle. Parle dis ton nom. Abraham. Abraham. Sarah. Sarah. Isaac. 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 Ne vous taisez pas. La chose a changé. 24 ans d'échec. Un an. Non, l'enfant est là. Isaac. Il vous faut 24 ans pour mettre au monde Isaac. Il vous faut 24 ans. 24 ans. Pour que ce que Dieu vous a dit se passe, il faut 24 ans pour être guéri. Il faut 24 ans pour réussir. Dieu dit, soyez intègre et marchez devant ma face. Arrêtez d'être des vagabonds. Arrêtez de vous lier à des choses inutiles. Arrêtez de regarder les hagards. Arrêtez de vous promener avec les lots. Arrêtez ces choses-là. Et marchez avec moi. Parce qu'il y a tant de bénédictions pour vous. Il y a tant de grâces pour vous. Et la grâce de Dieu vous accompagne ce matin. La grâce de Dieu est avec vous ce matin. Frères et sœurs, je vais te lire le psaume 23. Regardons le psaume 23. Regardons le psaume 23 et on termine par là. Écoute-moi, mon frère. Je te parle d'un cœur de père. Ah, c'est fatigant de voir tes enfants échouer. Aucun père n'aime cela. Voilà. Aucun père ne peut accepter ça. Non. Non. Oh, ne me dis pas de me calmer, je ne me calmerai pas. Non. Je ne peux pas me calmer. Je ne suis pas fâché. Mais je ne peux pas supporter aussi que les enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit? Lisons, tu amènes tout le psaume. L'Éternel est mon. On va le lire. L'Éternel est mon. Je ne manquerai de. Il me fait. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me. Tu dresses devant moi une table. En face de mes. Tu induis ma tête et ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors, écoute. Transforme ça en une prière personnelle. La prière pratique. Voilà ce que tu dois dire selon ton cas. Tu vas mettre ton cas selon ton cas. Tu vas dire, par exemple, tu donnes un exemple. Le Seigneur est mon divin médecin. Je ne ferai pas faillite et je ne mourrai pas avant mon âge. Il me fait reposer dans ces verts pâturages de la bonne santé et du succès. Il me dirige et me donne accès
à sa faveur donc de guérison et de, du jury de médecin. Il restaure ma santé. Il me conduit dans les sentiers de la vie abondante à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la maladie, je ne crains aucun mal, car tu es en moi. Ton Saint-Esprit habite en moi. Ton autorité et ton amour me rassurent. Tu prépares devant moi, en face de ma maladie, une table de plénitude. Ma coupe déborde. Je suis rempli du Saint-Esprit, de vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent chaque jour de ma vie. Je suis dans ta présence permanente. Amen. Amen. Par exemple, si c'est autre chose, si toi tu as des problèmes à la, à, avec des juges, ou bien un problème à, au tribunal, tu dis, le Seigneur est mon avocat, je ne perdrai pas mon procès. Oui, il me fait reposer dans les pâturages de sa victoire, de sa justification. Il me dirige et me donne accès auprès du tribunal, du jury. Et il me justifie. Il restaure ma situation judiciaire maintenant. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, je sortirai de ce procès-là comme Seigneur est mon avocat, rempli de victoire. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la critique ou bien de l'accusation, je ne crains aucun mal, car mon avocat me défend. Il n'a jamais perdu aucun procès. Il me libère de ce procès et me justifie. Tu prépares devant moi en face de mes adversaires à ce tribunal-là, Seigneur, tu prépares des paroles de grâce et le jury verra, manifestera sa faveur envers moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront chaque jour de ma vie. Je suis dans ta présence permanente. Si c'est au niveau financier et qu'il n'y a pas d'argent ou ton entreprise est en train de faillir, tu dis, le Seigneur est mon banquier. Je ne ferai pas faillite. Non, je n'échouerai pas. Il me fait reposer dans ses trésors, dans ses verts pâturages, où il y a la abondance. Il me dirige et me donne accès à ses caisses d'argent et d'or. Il restaure ma situation financière. Il me conduit dans les sentiers de la prospérité à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la faillite, de la pauvreté, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton autorité et ton amour me rassurent. Tu prépares devant moi en face de mes adversaires la pauvreté, une table de plénitude. Une table, ma coupe déborde. Mes caisses sont remplies de nouveau. Mes affaires prospèrent. Oui, Seigneur, le bonheur et la grâce m'accompagneront chaque jour de ma vie. Je suis dans ta présence permanente au nom de Jésus-Christ. C'est ça. Tu ouvres le psaume 23. Devant toi, tu marches. Cherche un endroit. Tu marches. Parle. Crois, parle et pratique. Crois, parle. Quelle est ta situation? La parole qui est établie. C'est cette parole-là qui marche. Toute parole qui n'est pas établie ne marchera pas. Il ne va pas dire, ah, viens, tu vois, les gens sont contre moi, c'est l'injustice, Dieu n'écoute pas ça. Prends le psaume 23, applique-le à chaque situation. Dis-le, cette année, le Seigneur est mon berger. Je n'échouerai plus à mon examen ni de BPC, ni de BEP, ni de BTS. Oui, parle, étudiant, parle, élève, parle, femme, parle, entrepreneur, parle. Prends le psaume 23, proclame-le, et tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Tu verras sa gloire. Mais si tu restes là, tu veux te plaindre, accuser, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé.
rien ne se passera. Hein? Alors dis avec moi. Dieu a tout donné. Il a tout donné, c'est ça? Il a tout donné. Quoi? Dis-le encore. Par sa parole. Nem gomna. Ce que sa bouche a dit. Ce que sa bouche a dit. Sa main l'a compris. Il ne peut pas mentir. Ce que sa bouche a dit. Il ne peut pas mentir. Sa main l'a compris. Oh oui. Sa main l'a compris. Tout le monde debout. Ne va pas y. Sa main l'a compris. Oh, Dieu a. Dieu a. Il m'a tout donné. Pour ça. Il m'a tout donné. Dieu a, il a tout donné, il a tout donné, car il est fidèle. Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Vois ça. Dieu m'a guéri. Car il est fidèle. Dieu m'a béni. Ce que ma bouche, ma foi, l'a fait. Moi-même, ce que ma bouche a dit, ma foi, Dieu m'a tout donné. Il m'a tout donné. Tout donné. Car il m'est fidèle. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Car il est fidèle. Maintenant qu'il t'a tout donné, mon frère, de quoi tu as besoin? Maintenant tu as vu ce, la parole que Dieu a mis dans ton cœur. Quelle est cette parole ce matin? Mets tes mains sur ton ventre. Et la parole qui a été établie en toi, ce n'est pas toute la parole qui a été établie. Dans le domaine où tu as voulu ce matin quand tu m'écoutais. Cette parole-là, quel est le genre de parole que tu voulais que Dieu établisse? Il dit, par l'offrande de son corps, il nous a déjà sanctifié une fois pour toutes. Si c'est la sanctification, la parole de sanctification est en toi. Si c'est la guérison, il a pris tes maladies et ça est en toi. Si c'est la fécondité, il a dit sois fécond, ça est en toi. Alors mets ta main sur ton ventre et
parle ce matin, cette parole est accomplie pour moi. Cette parole, je la manifeste par ma bouche et je la pratique et je verrai son résultat. Élève ta voix. Il n'y a pas de maladie incurable avec Dieu. Il a ressuscité des morts. Il n'y a pas de maladie incurable. La mort est plus grave que la maladie incurable. Il a ressuscité Lazare. Il a ressuscité les morts. Ce matin, proclame la parole de guérison. Proclame la parole de bonne santé. Dis à ton corps, dis à ton sang, dis à ton muscle, dis à tes nerfs, dis à ton ventre, dis à ton utérus. Dis-leur. Si c'est le travail, parle. Parle ce matin. Parle. Si ta famille parle, si ton tes enfants parlent, si ton examen parle, si ton entreprise parle, parle ce matin. Parle ce matin, proclame. Parle, ouvre ta bouche et parle. La parole de Dieu est vivante ce matin. Tu ne peux pas échouer. Ton échec est fini. Le cycle de ton échec est fini. Dieu met fin à ta pauvreté. Parle ce matin. Ta maladie est terminée, Le Seigneur est fidèle. Toute maladie dans ton corps est terminée. Je réprime la maladie dans ton corps. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison dans le nom de Christ Jésus, maman. Sois renouvelé dans le nom de Christ Jésus. Maman, sois béni. Papa, parakandos koyanda, ratakababahanda, retekebohondolo tokorondo. L'esprit de vie est sur toi. L'esprit de vie. Dieu manifeste sa grâce dans ta vie. Oh, merci Seigneur. Il manifeste sa grâce. Roto cobra takindolos. Ce qui était caché, se manifeste maintenant. Roto cobro honda. Rataka baba handa. La bénédiction de Dieu est sur toi. Oh, rabakam baba handa. Maman, assois-toi. O Karabakandolo Soyenda, Rita Kababa Handa, Rata Kababa Koroskondo, Rita Kababa Handa Skendolo, Rata Kababa Handa Koroskoinda, Roto Kobrianda Bahanda, Menda Kroskoreanda Braida, Roto Kobriende Brendo, Rata Baba Karabaskondolo de Kebredo Koroskondo, Rata Kababa Handa Skendo, Rete Kebrokuru Kendolo Soyanda Bahanda, Nendo Kroskoinde Behanda Bra. Skinda Brahanda Arianda, Lindo Kurus Kurinda Babahanda, Rito Kurutu Kende Brenda, Rito Kibrokobo Kurus Kundo Brihanda Brahanda, Lindo Kurus Kurida Babakanda, Linda Kato Kurus Kundo Brenda, Rata Kababakarata Kundo Surinda, Rata Kababakarato Kurundo Kundo, Rata Kabarabakando Kurida Kibahanda, Roto Kobrihanda Brato Kurus Kundo, Makandoroto Kurikende Hendo Kuruskanda, Makandoroto Kurikende Brahanda Skurinda. Rata kababakarato kuroskindo brondo. Rata kababakarato kurundo kureskinda. Makandro to kobrekindo brehendo kuroskunda. Rata kababakarata kendo nosto kurinda. Rata kibroko bakarata kendo. Rata kababahanda kreskurinda. Rata kababahando kuroskunda handa. Lenda! Oh, le Saint-Esprit entend agir. Mata krata kurodo kondo brenda. Rete kuroko bakondo skurinda handa. Rata kababahanda. Dieu manifeste votre destinée. Dieu manifeste votre destinée. Recevez. Recevez la grâce de Dieu.
Alléluia. 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 Glory, 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 glory. Alléluia. Amen. 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 Mardi, attendez. Attendez. Mardi soir et mercredi, on est là encore. On va continuer à prier pour les uns les autres. Et non, c'est terminé maintenant. Le cycle des échecs et des choses, c'est terminé. Je vous enseigne. Vous croyez. Vous parlez. Et vous pratiquez. Que les gens de la Sainte-Seine avancent au nom de Jésus.